Merci Aurélie. On va vous retrouver avec Joséphine Turli, Gary Wantier, dans le village de Yainé, où la vie des habitants a basculé en mars dernier. Un an de guerre et des centaines de crimes potentiels de guerre sur lesquels, bien sûr, des enquêtes sont en cours. Reportage tout de suite. Les Russes débarquent au début du mois de mars 2022 à Yaïdné. Ils enferment les 300 habitants du village dans les caves de l'école et de la crèche. Pendant près d'un mois, hommes, femmes et enfants servent de boucliers humains dans ce qui devient le quartier général des forces russes. Ivan, le gardien de l'école, y est enfermé avec ses enfants et ses petits-enfants. On nous a amenés dans cette chambre-ci. Au début, il y avait 140 personnes. Les gens ont commencé à mourir. Et à la fin, il ne restait que 39 personnes. Les gens manquent d'air et meurent de suffocation. Il manque aussi de nourriture, de soins et de médicaments. Si quelqu'un mourait le matin, il était possible de demander l'autorisation d'évacuer le corps. Mais si quelqu'un mourait l'après-midi ou le soir, nous n'avions plus l'autorisation de sortir. Alors on restait ici avec des corps par terre. Et les enfants jouaient à côté. Des conditions inhumaines, dégradantes. Au-dessus de cette pièce se trouvaient les toilettes utilisées par les Russes. Elles sont vieilles et mal raccordées. Les excréments et l'urine coulaient à travers les fissures et les trous sur les têtes des gens. Ils étaient obligés d'utiliser quelque chose, comme des journaux, pour se protéger, pour rester au sec et ne pas passer la nuit dans un vêtement mouillé par l'urine des Russes. Pour éviter de tomber dans la folie, certains comptent les jours et les morts. Par exemple, ce premier a été fusillé, celui-ci aussi. Celui-ci est mort, déchiré par l'explosion d'un obus. Celui-ci fusillé, celui-ci a disparu. Pendant l'occupation, nous avons été au sous-sol avec Paulina. Elle avait 6 mois à l'époque. On ressentait la peur. Notre grand-mère est morte là-bas. Quand je me rappelle cela, c'est toujours très difficile. Les Russes sont également soupçonnés d'avoir violé des femmes dans le village. Deux femmes m'ont raconté à moi personnellement ces crimes de guerre qui ont été commis à leur égard. Et je peux affirmer que ça s'est vraiment passé sur ce territoire. Aujourd'hui, il faut vivre avec le traumatisme, mais aussi la peur, encore et toujours. Peut-être que les troupes russes vont tenter de revenir. J'ai le sentiment que cette fois, on ne laissera pas l'ennemi passer. Mais la peur ne me lâche pas. Et je ne veux pas revivre ça une deuxième fois dans le sous-sol. Vraiment pas. À Yaïdné, le traumatisme est profond. Les habitants attendent que les enquêtes en cours aboutissent et que justice soit faite.